Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Alors, vous allez me dire pourquoi je vlog aujourd'hui et alors que j'ai pas vlogué depuis le début de la semaine, j'en sais rien en fait. Je voulais juste partager avec vous un grand moment de mon existence. Je n'ose y croire. Je n'ose y croire. En fait, quand je suis rentrée du travail, je suis ressortie tout de suite pour aller marcher avec Laura. Et quand je suis rentrée de la marche, eh ben, j'ai ouvert la porte et elle s'est faufilée pour rentrer dans la maison, chose qu'elle ne fait jamais. Et enfin, si, ça lui arrive. En fait, je mens. Parce que des fois, elle rentre par la porte et elle va direct à la porte-fenêtre pour que je lui ouvre et qu'elle ressorte, en fait. Et là, elle a pas demandé à ressortir. Donc, moi, je me suis installée dans le canapé, parce que du coup, je voulais plier mon linge. Et là, elle s'est installée à côté de moi. Elle s'est couchée. Et maintenant, elle dort. Voilà. Bon, ça me rassure un petit peu, je dois dire, parce que je pense que c'est peut-être même pour ça qu'elle est rentrée. Peut-être, à mon avis, elle a dû se faire peur. Parce que, habituellement, elle reste toujours dehors, mais elle reste toujours chez nous, en fait. Ou alors dans les maisons de là, les deux maisons autour de chez moi. Elle va jamais plus loin. Et en fait, hier matin, quand j'ai ouvert les volets, elle était pas là. Et ça arrive hein, qu'elle soit pas derrière les volets quand j'ouvre. Mais en général, le temps que j'ouvre les volets, que je mette les croquettes dans la gamelle, entre-temps, elle a déboulé de par les haies et elle vient directement manger ce que je lui donne ou même juste chercher des caresses, voilà. Et là, hier matin, j'ai ouvert les volets, j'ai pris le temps, j'ai mis les croquettes, machin, et il y avait personne. Je me suis dit, c'est bizarre. Et hier soir, je suis rentrée, il y avait moins de croquettes dans la gamelle, donc dans ma tête, je me suis dit, bah, soit c'est elle qui est rentrée, soit c'est le hérisson qui est venu. Et en même temps, quand c'est Pernelle qui mange, elle mange beaucoup plus que ça. Là, il y avait vraiment quelques croquettes qui ont été mangées, mais enfin, il y avait un petit trou, mais c'était vraiment... Enfin, si c'est elle qui a mangé, elle avait vraiment pas beaucoup mangé. Et donc, hier soir, je suis rentrée, toujours pas de Pernelle. Je me suis dit, c'est bizarre. Quand j'ai fermé les volets, je l'ai appelée et tout. Toujours pas de Pernelle. J'avoue que j'ai commencé à me poser des questions. Ce matin, je rouvre la fenêtre, toujours pas de Pernelle. Donc là, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, si ça se trouve, il s'est passé quelque chose, je vais partir à pied, je vais la retrouver renversée quelque part. Enfin, je commençais à envisager le pire. Et ben, en fait, non, elle était là ce soir quand je suis rentrée. Mais à mon avis, elle s'était perdue. Enfin, je sais pas si c'est possible qu'un chat se perde, mais en tout cas... Elle est parvenue à la maison pendant 2 jours d'affilée, c'est long quand même. Et là, quand je l'ai vue tout de suite, elle est venue se frotter, elle miaulait et tout. Enfin, je sais pas. Ça m'a surprise. Mais bon, là du coup, je la laisse dormir, elle est tranquille. Donc, j'ai rien à dire. Du coup, aujourd'hui, nous sommes mercredi 14 avril. Bon, là, au moment où je vous prends, il est 20h, hein, je pense. Enfin, peut-être pas tout à fait, mais pas loin, à mon avis. J'ai mon artichaut qui est dans le micro-ondes et qui est cuit normalement. Donc je le laisse refroidir un peu parce qu'à chaque fois que je le prends, il est toujours brûlant et c'est dur à manger. Donc là, il refroidit un petit peu. Du coup, j'ai été marcher ce soir avec Laura. Aujourd'hui, bah, j'ai rien fait de spécial. Enfin, j'ai rien fait de spécial. Façon de parler, mais j'étais au travail. Voilà. J'avais horriblement froid. Je ne sais plus quoi trouver comme solution pour ne plus avoir froid, en fait. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est pas un petit mot, hein. C'est vraiment terrible. Je travaille juste à côté de la porte de service et honnêtement, quand quelqu'un ouvre la porte, alors ça peut être mes collègues quand elles arrivent le matin, ça peut être le mécanicien qui en ce moment est là toute la journée. Du coup, il ramène ses outils, ses trucs, son matériel à lui, mais qu'il laisse dans sa voiture. Donc, il n'arrête pas de rentrer, sortir pour aller chercher dans son coffre ou remettre dans son coffre. Ma collègue qui s'occupe de la boîte aux lettres, qui s'occupe des poubelles, qui du coup, elle aussi sort je ne sais combien de fois. Ben moi, je suis malade en fait. Tout le temps, je suis malade. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc,
J'en ai un peu ras-le-bol, je dois dire. Et là, aujourd'hui, honnêtement, à chaque fois que la porte s'ouvrait, je prenais une rafale de vent froid, mais tellement froid que à chaque fois que quelqu'un a ouvert la porte, je me suis déplacée pour ne pas prendre le courant d'air tellement j'avais froid. Je me suis dit, c'est juste abusé. Donc, faut que je voie avec ma patronne si on peut pas mettre, je sais pas, même juste une planche de bois, mais une très grande planche de bois, que ça fasse coupe-vent, quoi, en fait, tout simplement. Mais moi, je peux pas. Enfin, c'est même pas la fraîcheur qui rentre, c'est la rafale en fait, parce que je me prends une rafale de vent et il fait tellement froid que le vent il est glacial en fait. C'est juste, c'est pas possible quoi. Je vais jamais guérir déjà et puis je peux pas travailler dans des conditions comme ça, c'est pas possible. Donc bon, là en ce moment je suis entre le contrôle et le pointage, donc quand je suis au pointage j'ai moins froid, même si voilà il fait quand même pas très chaud dans l'atelier. Mais bon, ils annoncent meilleur la semaine prochaine, donc je vais pas m'emballer non plus. Ça se trouve, la semaine prochaine, je serai mieux. Mais franchement, aujourd'hui, c'était difficile. Donc, bon, on va voir comment s'annoncent les jours à venir. Enfin, comment s'annoncent, non, comment se passent, surtout, les jours à venir. Hier soir, c'était abusé. En fait, j'ai beau avoir récupéré une voiture, puisque oui, je pense que je l'ai dit dans le vlog du week-end que j'avais récupéré le Scénic. J'ai beau avoir récupéré une voiture, je continue à faire du covoit avec ma collègue tant que j'ai pas les enfants en fait. Quand j'aurai les enfants, j'arrêterai parce que en fait le fait de faire du covoit, ça m'oblige à les lever plus tôt et ça m'oblige à aller à la pairie à pied et tout. Et les enfants, ils ont beaucoup de mal au réveil le matin de se taper le froid dehors, marcher jusqu'à la pairie, enfin bref. Donc, du coup, j'ai prévenu ma collègue que effectivement, quand les enfants seront rentrés, j'arrêterai le covoit. Donc, elle me dit, bah peut-être le mercredi quand même. Je dis oui, oui. En fait, c'est sympa parce que c'est vrai que du coup, on discute dans la voiture et tout, c'est vraiment agréable. Mais puis on rigole comme des folles surtout. Et là, bah ouais, moi je me vois pas infliger ça aux enfants alors que ils ont rien demandé quoi. Donc du coup non, les jours où j'aurai les enfants, je prendrai ma voiture, mais les jours où ils seront à la maison, comme le mercredi, et ben je repartirai avec ma collègue. Et en fait, donc hier, j'étais toujours en covoite. Et en fait, hier soir, au moment de partir, on a commencé à discuter en fait avec une de mes chefs et ma patronne. Et puis ça a papoté. On a rigolé comme des folles et tout. Franchement, c'était abusé parce que je me dis, enfin quand même, qu'il y avait ma patronne quoi. Mais elle est super sympa en fait. Et on a trop rigolé. Et c'était vraiment agréable, ça fait du bien, d'autant que moi je rentre à la maison, je suis toute seule quoi, donc je m'ennuie un peu. Et là franchement c'était trop bien. Du coup on est reparti du boulot, il était 6h30. Genre c'est pas assez dur de finir à 17h. Voilà, nous on reste jusqu'à 6h30. Et du coup à 6h30, donc elle m'a déposé chez moi. Et ce matin, donc retour au boulot, ma patronne elle arrive, elle me dit « Bonjour Magali, vous allez bien ?» Alors je dis « Oui, ça va bien. » Elle me dit « C'était sympa hier soir, on a bien rigolé, hein, ça fait du bien. » Et dans ma tête, je me disais, mec, c'est clair, ça fait trop de bien. Donc, non, c'était vraiment sympa. Bon, je pourrais pas faire ça tous les soirs, évidemment, hein, mais en tout cas, c'était vraiment sympa. Je suis un peu dégoûtée parce qu'en ce moment, je suis séparée de mon binôme. Je m'entends très bien avec mon binôme de travail. Mais là, on est séparés. Elle est repassée en piqûre et moi, je suis toujours en contrôle. Hein, donc, du coup, j'ai récupéré sa part de boulot au final, c'est-à-dire la pose de pression de Yay et tout ça. Donc, du coup, elle est en piqûre. Voilà. Donc, moi, je suis débordée. J'aimerais bien qu'elle revienne parce que j'arrive pas à tout gérer. Mais bon, ça va se faire. On verra bien. Du coup, demain, je repars sur le contrôle, hein, encore et toujours. Là, je suis un peu dégoûtée parce que... Enfin, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée sans être dégoûtée, hein, faut pas non plus s'emballer. Mais je pense que ma patronne va prendre une élève en alternance pour gérer l'administratif. Et du coup, clairement, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'elle envisage pour moi. Du coup, parce que soit elle a du travail pour deux, ce qui m'étonnerait réellement... soit elle me fait miroiter des choses qui n'arriveront jamais. Donc pour le moment, je reste un peu sur la réserve. Le fait de faire des choses pour elle, moi, ça diversifie mon travail, donc j'aime bien.
Maintenant, c'est vrai que là, justement, la petite élève, elle est là en ce moment, jusqu'à la fin de la semaine. Et elle est très gentille. Mais j'ai vraiment l'impression que elle se prend déjà pour la secrétaire de l'entreprise, quoi. Donc, je me dis, ça sent pas bon pour moi. Donc, bref, on verra bien. Après, si le poste n'est pas pour moi, j'irai postuler ailleurs et puis c'est tout. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité, donc on va laisser faire les choses pour l'instant. Nous ne sommes qu'au mois d'avril. Elle n'arrive qu'au mois de septembre, donc on a le temps. Depuis tout à l'heure, je regarde mon double menton. J'ai l'impression qu'il a doublé de volume. Alors, je précise que j'ai un double menton parce que j'ai un goitre en fait. Alors, le goitre accentue le double menton. Et justement, je vais vous présenter bientôt quelque chose. J'ai reçu une proposition de collab en fait pour justement traiter le double menton. Donc j'ai hâte de vous la présenter, cette collab, de le tester aussi l'appareil parce que j'ai hâte de voir si ça fonctionne ou pas. Donc on verra bien. Mais en tout cas, je suis très contente du coup de pouvoir bénéficier de cette collab puisque ça va m'être utile à moi. Donc j'espère que ça fonctionnera surtout. Mais j'ai hâte, vraiment hâte de tester. Surtout que je trouve que c'est pas hors de prix. En plus avec mon code promo, ça l'est encore moins. Mais franchement, je pense que c'est un bon produit et je vais voir. J'ai hâte de le tester. Je l'ai pas encore reçu. Enfin, quoi que j'avais un avis de passage là dans ma boîte aux lettres, alors c'était peut-être ça. J'avoue que j'ai pas fait trop attention. Donc là, je vais manger mon artichaut en regardant un petit peu la télé. Ensuite, je vais plier mon linge. J'aimerais bien travailler un petit peu pour ma patronne ce soir. Et puis, enfin, je ne vais pas faire grand-chose, sauf si elle me répond dans la foulée. Mais si elle me répond pas, on verra ça demain. Mais demain soir, j'avoue que j'aimerais bien, remettre toute la maison à propre pour que les enfants reviennent dans une maison propre pour mes parents aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé à demander à maman comment ils s'organisaient vendredi, puisque normalement ils arrivent le matin et je pense qu'ils vont repartir l'après-midi, donc il faut que je leur prévoie à manger. Donc à voir. Faut que j'appelle mes parents demain pour voir avec eux, parce que si je dois aller faire des courses, j'irai demain soir. Et puis voilà. Et bien du coup, je reprendrai la caméra demain, et puis vendredi, et puis voilà, ça fera un petit vlog sur 3 jours que vous aurez samedi. Et puis ensuite, je vloguerai ce week-end. Un week-end solo. Hey, je vous reprends. On est vendredi. Non, on n'est pas vendredi. On est jeudi. Je voudrais bien qu'on soit déjà vendredi, mais non. On est jeudi. Il est 18h. Certainement 18h45. Non, 40. Je rentre de course, donc je vais aller ranger tout ça. Je suis allée faire des courses pour demain à midi pour mon papa et les enfants qui vont rentrer manger. Et puis j'ai acheté de quoi faire des hamburgers maison pour demain soir, comme j'avais promis aux enfants. Et puis voilà. Puis je me suis racheté du shampoing aussi. Alors je vais voir si celui-ci me convient, parce que c'est très compliqué pour moi de trouver un shampoing qui me convient. Donc je teste, on verra bien. Du coup, là je vais me poser tranquillou devant la télé. Je vais manger. Et puis après, j'irai préparer mon repas pour demain, j'irai prendre ma douche et j'irai me coucher. Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment l'impression que... J'ai vraiment l'impression que mon sommeil n'est absolument pas réparateur, en fait. Donc c'est un peu compliqué parce que j'ai beau dormir. Je me sens pas reposée le matin quand je me lève, en fait. Donc c'est un peu compliqué pour moi, j'avoue. Mais bon, ça va passer, hein. Je soupçonne ma thyroïde d'être à l'origine de tout ça parce que depuis quelque temps, j'ai le retour des maux de tête, j'ai le retour de la fatigue, j'ai le retour des insomnies, j'ai du coup le sommeil et les difficultés à perdre du poids. Donc je pense, et les bouffées de chaleur aussi. Donc je pense qu'en ce moment, ma thyroïde est en crise. Je pense que je vais envoyer un mail à mon endocrinologue pour voir avec elle si je pourrais pas refaire une prise de sang pour voir un peu où j'en suis. Parce que j'avoue que pour le moment, c'est plutôt pas très bon, quoi. Donc on verra bien.
Bon, bah, du coup, je vais me poser, je vais ranger tout ça et puis je vais préparer la maison pour les enfants demain. Je suis tellement contente qu'ils rentrent. Je les ai eu au téléphone tout à l'heure et ils sont contents aussi. Ils arrêtent pas de me le dire, donc non, c'est plutôt cool. Je suis vraiment contente. Le vélo de Com est arrivé au relais, mais je n'avais pas le temps d'aller le chercher ce soir. J'aurais pas le temps demain non plus. Samedi, c'est fermé, donc je pense que j'irai le chercher lundi, très certainement. Et puis, il faudra que je me débrouille pour le monter, du coup, parce que celui de Adam, j'avais pas réussi. C'était mon papa qui l'avait fait, mais là, mon papa sera pas là. Donc, il faudra qu'on se débrouille. Donc, on verra bien. Au pire, je demanderai à Eric, je pense qu'il m'aidera. Donc, voilà. Bon, sur ce, hein, je vous reprendrai demain. Hey, je vous reprends, nous sommes vendredi. Alors, je suis désolée, je suis pas coiffée. Hein. Là, en fait, c'est mes cheveux qui sèchent au naturel et j'ai beau essayer de les lisser au doigt, ça fonctionne pas partout. Voilà. Du coup, là, je me suis lavé les cheveux avec mon nouveau shampoing que j'ai acheté hier. Alors, bon, j'espérais que ça serait un peu moins sec quand même sur les pointes. Mais bon, mes cheveux sont abîmés, donc faut pas non plus attendre des miracles en un shampoing. Donc là, j'ai fait un shampoing et un masque après. Et non, ils sont tout doux, c'est agréable. Du coup, je vous prends, on est vendredi, il est 6h42. Je prends mon petit déjeuner, je pars dans un peu moins d'une heure. J'aurai un petit peu de temps pour ranger un peu avant de partir, enfin faire mon lit, des bricoles quoi. Mais la maison est propre pour le retour des enfants, c'est bien le principal. J'ai tellement hâte de les retrouver ce midi. Du coup, je vais rentrer ce midi pour les voir, pour voir mon papa, parce que sinon mon papa va repartir avant que moi je rentre, puisque je termine à 17h. Donc là, les enfants vont devoir m'attendre gentiment à la maison. Mon papa va partir en milieu d'après-midi, en fait, pour rester le plus longtemps possible avec eux. Et puis, eux, ils vont rester peut-être 2 heures tout seuls, quoi. Donc voilà. Du coup, je suis bien contente. Et juste l'idée de savoir qu'ils rentrent, je suis bien contente. Du coup, je les ai juste ce soir. Ils repartent demain midi, hein, avec leur papa. Là, si je vous prends ce matin, c'est tout simplement parce que j'ai du temps. Voilà. Merci les insomnies. En fait, hier, je me suis dit, parce que ça fait plusieurs nuits déjà que j'ai des insomnies. Et ce matin, hier, je me suis dit, demain matin, si tu te réveilles, tu te lèves. Soit. Je me suis réveillée, il était 3h49. Je me suis dit, bon, peut-être attendre un petit peu. Du coup, j'ai attendu, je me suis rendormie, je me suis réveillée à 5h30. Donc, à 5h30, je me suis levée, j'ai été prendre ma douche, me laver les cheveux, enfin, faire ce que j'avais à faire, quoi. Et puis, là, je suis maquillée, mais du coup, pas coiffée. J'ai plus qu'à me brosser les dents et à me coiffer. Et là, je m'apprête à prendre mon petit déjeuner. Je me suis pressé un jus d'orange, tellement bon, le matin. Du coup, j'ai mon petit skyr à manger. Là, je vais me beurrer 3 tartines et mon petit comprimé pour la thyroïde. J'ai un chocolat chaud. Et puis, ouais, je vais me beurrer 2 ou 3 tartines. Je sais pas, ça va dépendre de la taille des tranches du pain. Mais ouais, je vais me prendre un bon petit déjeuner. Et puis après. Après, je partirai. Bon, mes amis, je vous reprends. On est toujours vendredi. Il est 20h05 et j'ai récupéré mes petits chats. On va regarder. Non, on se calme. On va regarder le Starsport. On va regarder Starsport. Tu te calmes. Marceau est surexcité. Lui, il est suraffectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Peut plus. En une soirée, là, ils ont compensé les 2 semaines d'absence. Là, on a Com qui est en train de préparer les hamburgers avec Elsa et on s'apprête à faire notre petite soirée. Donc, finalement, on a acheté des frites en plus. On les passe au micro. Comme ça fera comme des frites de McDo. On avait peur qu'Elsa elle fasse tomber les steaks. Catastrophe, comme c'est bon. Ils sont tous prêts. C'était sûr. On doit faire table. Oui. Ah bah c'est prêt. On va aller manger. Et bien sur ce, les amis, on vous reprendra peut-être tout à l'heure. Ouais. En fait. Après le film. Ouais. Je ferai le montage demain de toute façon. Donc. Quoi? Demain? Il peut pas se coucher. Il est tôt. Bon, et ben il est 21h, on a fini de manger et on est déjà installés.
Il y a de la place pour tout le monde, on va y arriver. Tiens, les tout. Alors, il a mangé une glace. Hein. Le fou. Attendez, je vais te faire une grosse. Vous avez vu son petit œil là, comme il est pas bien. Bah si. C'est mieux que ce que c'était. Hein, mais... Ouais, bien sûr. Hein. Il a, avant, il avait une bosse et un gros. Il a toujours un petit hématome juste là, là, en fait. Et du coup, il a des granules d'arnica pour ça. Mes parents l'ont ramené chez le médecin dans la semaine. Parce qu'en fait, mon papa, en lui faisant une caresse, il s'est rendu compte qu'il avait en fait une barre ici qui est toute dure. Et le médecin a dit que c'était un hématome. Alors, il doit en prendre jusqu'à dimanche. Mais j'ai envie de dire dimanche, c'est après-demain. Et ça n'a rien changé. Donc, je pense que Eric va devoir le ramener à l'hôpital pour vérifier ce que c'est. Parce que j'avoue que ça m'inquiète un peu. Maman, Marceau, il était trop mignon avec son coquard. Marceau, il est trop mignon avec son coquard. Mais c'est... T'en as encore plein une niveau de lunettes. Donc là du coup on est installé devant le film. Alors c'est moyennement adapté en fait pour les enfants. Parce que bon, il y avait quand même des drag queens, il y a quand même un peu de scène de sexe aussi, donc bon c'est un peu moyen. Ah mais... ouais c'est un peu vrai, on a caché nos yeux. Moi j'ai voilà, pas caché mes yeux. Si t'as tourné la tête. Bah non, en fait, personne n'a caché nos yeux. Si, moi. Ça durait pas longtemps. Quand je vous ai dit, regardez pas, vous vous êtes tous retournés. Et finalement, ça a changé d'image et on n'a rien vu. Donc. C'est bien. C'est bien, ça me va bien. Mmh. Mmh. Tu veux juste essayer de te faire un câlin. Je vais secouer ça. Bah, tu le balances derrière Elsa. Donc, pour l'instant, on est tous allongés là, mais je suis pas sûre que je vais dormir là. Ça va être compliqué pour moi, je pense. Non, t'inquiète. Ils sont collés à moi comme des moulins à un rocher. Non, mais les gars, par contre, poussez-vous. Ils sont déjà suraffectifs, un peu normal. Mais alors là, après 15 jours de séparation, je ne vous explique même pas. Moi, j'en ai juste un comme des images. Alors, c'est vrai que ce soir, tu es particulièrement sage. Je dois dire. Je savais. Ça dépend parce qu'il touche tout le monde. Bon, du coup, on va clôturer maintenant. On va vous souhaiter... Au revoir tout le monde, je vous aime. Un bon week-end. Posez vos likes. Ouais, posez vos likes, posez vos commentaires. Ça dépend s'ils sont positifs. Demain, du coup, je revlog et j'aurai une collab à vous présenter, mais je pense pas la présenter dès demain. Je vais la tester demain. Et je vous en redirai des nouvelles. Mais de toute façon, je vous en reparlerai très prochainement parce que c'est prévu. Sur ce, d'ailleurs, j'ai reçu cette proposition de collab la semaine dernière. Et là, dans la même journée, j'en ai reçu deux autres, mais qui ne m'intéressent pas plus que ça. Donc, je vais me pencher sur la question, je vais regarder ce que c'est, puis je vous en reparlerai. Donc, eh ben, on va vous souhaiter un bon week-end. Du coup, on revloguera demain. Bon, écoutez, prenez soin de vous et profitez quand même. On vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, des gros bisous, ciao. Ciao, gros bisous, bye bye. Likez, hein, likez, c'est bien. Ouais, et abonnez-vous aussi. C'est clair.